Coucou tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors voilà, une vidéo un petit peu spéciale, je ne sais pas comment je vais l'intituler ce titre, vous le verrez dans la miniature, voilà. Tout ça pour vous dire que tout à l'heure, actuellement je suis en train de me finir de me maquiller, et je m'écarte un petit peu parce que dans le retour j'ai le soleil dans la vidéo. Ne nous plaignons pas. Tout ça pour vous dire que j'ai acheté un mascara. Je le vois passer sur la télé tout à l'heure, là, sur mon écran d'ordinateur. Et à la télévision et partout, j'ai été influencée. Je ne sais pas si vous êtes comme vous. Je suis une influenceuse. Donc, je ne devrais pas dire ça. Mais si, remarquez, je suis très influencée. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Parce qu'il passe sur les réseaux sociaux et tout. Et si vous êtes une acheteuse compulsive, donc je me suis posé la question moi ce week-end quand nous nous sommes promenés. Bon bref, déjà je vais arrêter sur pour le mascara, le Lash Paradise Eye, un truc comme ça, je sais pas comment ça se dit là, le truc là, j'en suis pas contente du tout. Donc voilà. Vous voyez, j'ai été influencée d'acheter ce mascara, tout le monde en parlait du bien et tout. Donc moi, vous savez que j'ai tout le temps celui-là ou le rose de chez Je mets Maybelline. Donc j'ai acheté le Paradise Eye, c'est ça? Bon, moi l'anglais, ça fait 4. Qu'est-ce que j'en pense? Le black. Bon, déjà, alors moi les grosses brosses, vous savez que j'en ai un de chez Yves Rocher, je n'aime pas du tout. Ça part dans tous les sens, ma vidéo. Mais bref, j'avais envie de le dire ce matin. Alors, voilà. Voilà sa grosse brosse. Vous voyez? Moi, je peux pas. Moi, je peux pas. Moi. Vous me connaissez? Alors, de chez Maybelline, j'adore sa petite brosse. Là, vous voyez? La différence. Comment je peux vous faire? Ah, attendez. On va y arriver. Vous entendez ma machine à laver. Alors, de chez L'Oréal. Par contre, il tient très, très bien. Il doit être, comment on dit, waterproof, voilà. Et j'ai eu à tester celui-là, de chez, je ne sais plus le nom, je vous mettrai dans la barre d'infos, avec, voilà, sa petite brosse. Eh bien, écoutez, moi, ce que je fais, ben, je vais dedans avec... Je vais dedans et je prends parce que ben moi les gros coupillons, je n'arrive pas. Tout à l'heure j'ai fait mes yeux là, mon mascara que je vous remonte, j'ai mon petit miroir et ben on s'en met partout, Bon écoutez moi. Celui-là, non, je n'aime pas du tout. Donc, je me suis dit, je vais vous faire une vidéo pour vous demander si vous êtes comme moi, des fois à être tenté à acheter, un achat. Enfin, de compte, je veux dire que voilà, ça c'était un achat compulsif. Je rentre chez Leclerc et tac, chez mon Édouard Leclerc, faut que j'aille le voir au moins une fois par semaine. Normalement, il va me faire la gueule si je le vois pas. Bon, bref. Et puis, je vois en gondole, en courante, là, il y a les publicités et tout. Pourtant, je ne sais pas comme ça. Et je le vois, je me dis, ah, bah dis donc, moi, je ne connais pas et tout. Vous voyez, Marie-Françoise, je ne suis pas comme ça. Donc, je le prends. Donc, il était à moins 40%. Donc, ça ne m'a pas fait très cher, hein, 8 euros, voilà. Mais j'aurais dû attendre puis acheter quand même celui-là. Je regrette parce que ben, je le donne à ma fille, hein. Elle va être contente, je ne sais pas si elle va l'aimer, ou à une copine. Tout à l'heure, je vais voir mes copines, peut-être que je leur donnerai. Bref, achat compulsif. Je ne sais pas si vous êtes une acheteuse compulsive. En ce moment, c'est le débat. Vous voyez, samedi, nous sommes promenés. Nous sommes allés du côté de Basse-Goulaine et, bon, bref, pour une pendule. Plus de pendule. Ou à des prix hyper chers. Donc, même vendredi, j'ai fait tous les magasins chez moi, là, La Farfouille, à la Maison du Monde, Home Déco qui est à côté, enfin, bref, tous les magasins que vous pouvez imaginer, Jiffy, qu'est-ce qu'il y a encore?
Chez Leclerc, il y a des pendules, mais qui sont trop énormes. Bon, bref, j'arrive pas à trouver une pendule. C'est incroyable, j'arrive pas à trouver. Du coup, on s'en va du côté de Basse-Goulaine faire du shopping. Faire du lèche-vitrine à Basse-Goulaine ce week-end. Pour se promener, il a fait très beau, il a fait très très beau, impeccable. Est-ce que vous êtes une acheteuse compulsive? Je voudrais vous poser la question, parce qu'en fin de compte, quand on fait tous les magasins, moi je ne fais pas souvent, autrefois j'ai fait, mais là je suis allée chez Casa, chez, c'est pareil, c'est Déco, bref, un gros magasin. La Farfouille là-bas, toute la galerie marchande, le Roi Merlin, enfin bref, tous les magasins du monde, qu'on peut exister. En fin de compte, vous voyez, j'ai vu un tapis, je m'en suis acheté un, mais j'en ai un sur mon salon, qui a un poil noir, et j'en ai vu un chez Imaginia. Voilà, Imaginia, il y a Sticovali à côté, tout ça. Je ne fréquente pas ces magasins-là, non, du tout. Je ne fréquente pas une fois par an. Alors, c'est rangé par couleur, vous devez savoir, je n'ai pas trouvé les magasins-là. Ça c'est beau. Est-ce que vous serez une acheteuse compulsive à dire « Ah, ça je vais le prendre, je vais le ramener à la maison. Ah, ça je vais le prendre, je vais le ramener à la maison. » Oui, mais il faut savoir où le mettre. Hein. Voilà. Moi j'ai vu un tapis du coup, il est beau, il est beige, blanc cassé, beige, machin, avec les vagues et tout. Ah, en plus il était soldé, je pense que c'est une vraie solde. Enfin bref, je le prends et tout, gnagnagna, je réfléchis. Non mais je dis « Marie-Françoise, sois sérieuse, est-ce que tu en as le besoin ?» Eh bien non, tu as tout ce qu'il te faut. En fin de compte, tout ça, c'est des achats compulsifs. Vous voyez, on est robotisé, comment je pourrais dire? Bon, bref, vous allez me comprendre. La déco, c'est beau, on le ramène chez soi, mais il faut en avoir besoin. Voilà. Donc, eh bien, j'étais une demi-heure avec mon tapis, là. Mon tapis, hein. Eh bien non, je l'ai reposé, c'était le dernier. Et du coup, il y a un couple, excusez-moi, je regarde parce qu'il y a des gens qui passent en bas. Et il y a un couple qui dit « Ah, madame, vous ne le prenez pas chez ben non, parce qu'en fin de compte, j'ai un tapis, j'en ai acheté un chez Ikea, sur la table de salle à manger, mais sur mon salon, je voulais le mettre. Alors, il est très, très beau, qu'ils me disent « C'est le dernier. » Ah, ben j'écoutais, vous le voulez ?» Ben il dit « Ben oui, on n'osait pas, on vous suivait dans tous les rayons parce qu'il voulait. » Ben j'ai écouté, prenez-le, mais moi, en fin de compte, j'en ai un grand poil. Bref, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, gris. Je ne vois pas l'intérêt de l'acheter pour l'acheter. Vous voyez ? C'est des achats compulsifs, ça. Donc, comme ce petit truc. Dans là, le truc, c'était pas pareil. Et eux, ils se sont posé la question, du coup, ils se sont mis en question, ils se sont dit, il lui dit, je ne sais plus comment il l'a appelé, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Et il faut pas faire comme moi, hein, ça dépend ce que vous avez. Ils font, vous êtes plus âgés que nous, vous réfléchissez, je fais oui. À vieillir, on réfléchit un peu plus et je n'ai jamais été une acheteuse compulsive, à part des petits trucs comme ça, mais pour acheter une grosse chose ou un gros buffet, j'ai vu une belle table aussi, je me suis dit, mais non, elle est belle, la table, je ne peux pas la ramener, je ne vais pas changer tous mes meubles parce que la déco, elle est en ce moment en osier, en beige, en blanc et tout, on ne peut pas, c'est ce que je leur ai dit, vous vous rendez compte, si on suit la mode, on ne va jamais y arriver, il y a 3 ans c'était bleu pétrole, après c'était vert, un beau vert, et maintenant on passe dans le beige en rotin et tout ça, je dis, on ne va jamais y arriver, à suivre tout ça, on ne va jamais y arriver, donc j'ai laissé le tapis et le couple l'a pris, ils ont fait comme moi, ils l'ont laissé, je ne sais pas, j'espère que je n'ai pas fait une scène de ménage. Et tout ça pour vous dire que je suis revenue qu'une petite poubelle pour mettre dans ma cuisine. Voilà, 3 € et quelques. Voilà. Voilà ma dépense samedi. Mais après, en faisant tous les magasins, je me suis dit, en fin de compte, je ne vois pas les gens avec des sacs de vêtements, quoi que ce soit. On est dans le noir, hein? On est dans le noir. Attendez, hop, on va aller plus loin. Pardon, excusez-moi parce que je joue avec la lumière. Je ne sais pas si les gens, si les gens achètent. Déjà, il faut avoir les moyens, il faut réfléchir et on ne peut pas changer sa maison de déco comme ça ou même le maquillage et tout. Je ne sais plus. Donc tout ça pour vous dire que ça, je suis déçue. En fin de compte, c'était un achat compulsif que je n'aurais pas dû acheter. Voilà. Tout est relatif maintenant. Il faut
réfléchir avant d'acheter. Même moi, si je vous montre un produit, c'est pas pour ça qu'il faut aller l'acheter. Pour moi, il va être bien. Je repousse. Peut-être que pour moi, il va être bien, mais pour vous, il va pas être bien. Et puis, pour moi, peut-être que j'ai besoin de... En plus, je teste, donc c'est vrai. Déjà, en testant, je trouve que j'ai la chance de pouvoir tester des trucs et pas les acheter. Mais c'est quand même du travail de monter une vidéo, puis de les faire, et de tester, puis de dire la vérité, et de dire à la marque et tout. Et je ne veux pas de publicité mensongère. Donc, voilà. Donc, nous sommes venus quand même dans un système où que les gens achètent à tout va. Et il ne faudrait pas pour le portefeuille. Moi, j'ai décidé de ne pas acheter ni d'habits, rien du tout, parce que j'ai un objectif, c'est de partir en vacances, en hôtel. Je pars en vacances, mais je vais tout le temps en mobilhome, j'en ai marre, en mobilhome, mais je voudrais partir en hôtel, deux ou trois jours à Saint-Malo, deux ou trois jours là, du côté de Nice, vous voyez, enfin, Nice-Grasse, les hauteurs, partir un petit peu, prendre l'avion, aller où qu'il fait chaud, parce que pour mon dos, depuis que j'ai opéré du dos, je n'ai plus de cure en ce moment et tout, donc ben, j'aimerais bien prendre un petit peu l'avion et partir, et j'ai l'objectif de partir chez ma fille quelques temps, donc tout ça c'est un budget, il faut mettre de l'argent de côté, et c'est pas ce qu'on gagne qu'on peut faire des voyages de ouf, non non, moi j'ai envie, je sais pas si j'aurais l'envie de partir comme il y en a qui vont dans les hôtels de luxe, et de tout avoir et revenir mettre 2000 euros la nuit dans... Oh non, 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 c'est pas moi du tout, ça me reconnaît pas, je sais pas quoi. Je déraille. Non, non, des petits trucs, vous voyez, mettre de côté pour dire, tiens, j'ai mis de côté pour aller là, ça fait plaisir. J'ai mis de côté pour faire ça, ça fait plaisir. Mais acheter le tapis parce que j'en ai pas le besoin, non. D'acheter un mascara parce que j'en ai pas le besoin, non, non. Soyons un peu lucides, d'accord? Malgré que je vous retrouve dans le noir. Voilà, voilà. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ben oui, un petit pouce en l'air, la partager, la liker, comme je l'ai toujours. Abonnez-vous, c'est gratuit. Et puis, voilà. Je vais certainement vous faire une vidéo. Dites-moi si ça vous plaît ou pas. Comment Saint-Valentin. Autrement, je ne vous la fais pas, hein, parce que... Moi, je suis pas pour le restaurant de la Saint-Valentin le jour même. Bref, voilà, c'est moi. Sur ce, portez-vous bien. Très bon week-end. À très vite. Plein de belles choses. Et puis, pas d'achat compulsif. D'accord? Bisous. With you, I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear.